Salut Femi, quoi de neuf? Inka l'attaquant. Ex-attaquant, je veux dire. Rien de neuf, mais il y aura beaucoup de changements dans ma vie bientôt. Qu'est-ce que tu fais demain? J'espère que t'es pas encore prêt. Pourquoi cette question? T'es déjà de retour au Nigeria. En fait, mon avion vient juste d'atterrir. Je suis à Lagos, alors je te parle. D'abord, ce n'est pas ce que nous pouvons avoir de mieux. Il y en a de meilleures fabrications. Nous pourrons aller voir au marché. Même la mère de Titi en a. Oui. Et beaucoup plus moins cher. Oh, ma puce. Puis-je te rappeler? Ok, d'accord. Hey, bébé. Est-ce que tu es obligée de le faire tout le temps? Oui, bien sûr, tout le temps. Merci. D'accord. Oh, oui, enfin à la maison. Mm-hmm. Alors, comment se porte mon trésor? Très bien. Oh, je le constate. Ouh. Oh, 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 oh. Hey, arrête. Pourquoi? J'aime ça. Pourquoi? Oh, arrête. Pourquoi? Arrête. Pourquoi? Allez, je vais dans la chambre. Pourquoi? Arrête. Oh. Ah, bébé, bébé, attends. Donne-moi un instant. Tiens ça. Mets-le dans le coffre-fort pour moi, s'il te plaît. Je pensais t'avoir demandé de t'en débarrasser. Oh, chérie, j'ai prévu de brûler ça ce week-end. S'il te plaît, rappelle-moi de le faire. Tu sais à quel point j'ai été occupé. J'espère que tu as passé une bonne journée. Oui. Elle était pas mal. Ok. Je crois que je devrais. Ok. Maintenant. Oh. Ici? Eh bien... Oh! Oh, bébé! Oh, boss! C'était brutal. Eh bien, puisque je suis le boss, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donne-moi tes mains. Attends, eh bien... chérie, je crois que j'ai vraiment très faim. Ok, mais... Avant de manger quoi que ce soit, tu dois d'abord te laver. Je peux le faire plus tard, n'est-ce pas? Non, tout de suite. Bébé, j'ai besoin de manger avant de manger. Allez, allez, va à la douche. Manger quoi? Va à la douche. Tu sais très bien que je peux le faire plus tard. Allez, hein? Allez, allez. Allez, allez. Je
J'ai appelé ta mère aujourd'hui. Elle a dit que les enfants vont bien. Oh, ok. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Si tu veux savoir si on leur manque, la réponse est non. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les moments entre papa et maman ne seront pas interrompus. Tu as des projets. Oui, ça me rappelle qu'aujourd'hui, j'ai reçu l'appel d'un très très bon ami à moi, Fred. Oh, celui qui ne s'est pas gêné de manquer notre mariage. Oh, allez bébé, il revient tout juste des États-Unis et il nous rendra une petite visite demain. Ça ne répond pas à ma question. Ok, il sera vraiment palpitant ce week-end. Tous les trois, on va se lâcher. Grave, alors fais-toi plaisir et attends. Chérie, trois, c'est beaucoup. On ne peut pas envoyer deux enfants en congé juste pour s'amuser et admettre un adulte pour une fête, c'est pareil. Bébé, je peux t'assurer que tu vas aimer ce mec. C'est un mec vraiment très cool. C'est un très bon ami de longue, longue date. Ouais, c'est ça. Et tous les deux, vous ne vous êtes pas gênés de manquer le mariage de l'un et de l'autre. Oh, allez, bébé, je t'ai déjà tout expliqué. Ok, son permis de travail était en cours au moment du mariage. Oui. Et je n'ai pas pu être au mariage parce que j'étais en Afrique du Sud. Pour conclure, une affaire immobilière qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, j'espère que vous n'allez pas vous retrouver ici et renouer avec le pacte de votre confrérie. Oh, allez, bébé, je te l'ai déjà dit. Ok? J'étais dans la confrérie, mais maintenant, je ne le suis plus, j'ai changé. Oh oui! Toutes ces mauvaises pratiques que je faisais font désormais partie glory, du passé. Glory, glory, alléluia! Débarrasse-toi de cette arme aujourd'hui. Oui, bébé, je le ferai, mais tu sais que cette arme est là pour nous protéger. Mais si tu insistes, je vais m'en débarrasser ce week-end. Débarrasse-toi. Okay? Tu aimes le repas? Je n'aime pas ça. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Oui, aussi belle que mon amour pour toi, chérie. Tu sais, je pourrais m'habituer à ça. Pas de travail, pas de ménage, revenus résiduels, faire l'amour. Waouh, c'est étrange. Parce que je pensais que t'aimais travailler et nettoyer. J'aime bien, mais uniquement quand tu m'aides de temps en temps. Non, bébé, je pensais qu'on en avait déjà parlé. Tu sais, je peux embaucher une ménagère pour faire mon travail et faire le tien aussi. Mais je t'ai également dit que je ne voulais pas de ménagère qui viendra ici ruiner mon foyer. Leur vice dépasse de très loin leur valeur. Donc, ne t'inquiète pas, je comprends. Hein? Mais tu n'as pas à te déranger autant, ok? Parce que j'aime quand t'es sexy pour moi. Arrête ça. Et si jamais je refuse. Tu sais quoi? Ça suffit. Quoi? Allons-y. Il est temps de faire de l'exercice. Non. Bébé, reste. T'es la plus sexy des mères de deux enfants que je connais, ok? D'ailleurs, continuons juste d'être paresseux. Paresseux ne va pas ramener tes plaquettes, tu sais, ok? Ok. Qui s'en soucie? Ah, je m'en soucie. Je m'en soucie vraiment. Je te préfère tout poli et costaud et sexy. Oui. Tu l'as déjà dit, ok? Mais mon amour pour toi ne cesse de croître. Ne pars pas. C'est un record. Vraiment? Oui. T'en es sûr? Oui. Non! Oh, non! Fais la passe pour que quelqu'un d'autre marque! Donne juste le ballon et laisse-les. Tu sais qu'on ne t'entend pas du tout? Qui a-t-il? Bébé. Quoi? Bébé, s'il te plaît, c'est Arsenal qui joue, ok, d'accord? C'est un moment sacré. Bébé, mais je voudrais passer du temps avec mon homme. Oh, arrête ça. C'est la deuxième mi-temps. Ah, c'est de ça dont il est question. Montre-leur comment on joue au football. Marque ce but pour moi, mec. En tout cas, dis-moi juste quand le match finira parce que c'est mon moment préféré. Oh, bébé, tu seras vraiment, vraiment très, très déçu parce qu'aucun de ces joueurs ne compte enlever son maillot. Et tu mens. On dirait qu'ils n'attendent que moi parce qu'ils savent que je vais voir leur vraie tort, les plaquettes, leur corps et tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas épousé un homme qui a les plaquettes si
Si tu aimes tellement les plaquettes... Ne te prends pas la tête. Toi, tu étais squelettique quand tu m'as épousée. Tu as été très chanceux. Si j'avais un torse squelettique, alors tu n'étais pas faite que d'os quand je t'ai rencontrée. Si tu oses encore redire ça, une fille en forme comme moi... Quelle forme? Menteuse, t'es qu'une menteuse. Laisse-moi tranquille. Ouais. Il y a quelqu'un à la porte. Hein? Ok, d'accord. Je vais ouvrir. Pardon? Oui. Vas-y. Passe le ballon! Oui, jouez! Et montrez-moi vos... Mon attaquant! Frérot. Allez, top 5! Et mon vieux pote! Quoi de neuf, mec? Regarde-toi! Waouh! Sois le bienvenu! Viens! Ah! Alors, bébé, je te présente le célèbre Fred, voici ma femme. Sois le bienvenu. Waouh. Madame, vous êtes plus ravissante que Kim Kardashian et toute sa splendeur qui la rend célèbre. Merci. Pas de baiser, s'il vous plaît. Ton ami est un homme jaloux. S'il te plaît, dis-lui. Prends place, s'il te plaît. Est-ce qu'il a commencé à t'espionner avec un GPS? Pourquoi? Oh, Yinka. Tu es chanceux que ta mère soit un bijou. Ton équipe de surveillance doit être très occupée en ce moment. Arrête. Je lui fais confiance, ok? Je lui fais entièrement confiance. En fait, j'ai une confiance aveugle. C'est vrai, ça. Madame, votre élixir d'amour marche sur mon ami. Ah. Je vais garder quelques souvenirs de vous à mon retour. Ok, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais s'il te plaît, fais comme chez toi. Merci. Je vous apporte quelque chose à boire. Tu veux de l'eau? Non, du Cadillac. Ou du whisky. De la vodka. Nous avons de l'eau et du jus. De l'eau. Ok, super. Je te l'apporte. Je reviens tout de suite. D'accord, chérie. Oh, mec. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi. Quoi de neuf, mec? C'est mec, si bon de... Regarde de ce que t'as attrapé. Ça fait tellement plaisir de te voir, mec. Alors, raconte. On voit ta femme. T'es venu avec non, elle. Non. Je suis venu tout seul. Elle va me rejoindre d'ici un ou deux mois. Oh, ok. Mon c'est super, attaquant. C'est super. Mec, c'est si bon de te revoir, mec. Allez. Non, laisse la fraternité où elle se trouve. S'il ne s'agissait pas de l'argent, t'aurais déjà eu ma réponse. Mon attaquant! L'argent viendra, frère. L'argent viendra. Mon attaquant. Quoi? Comment as-tu battu tout ton empire? Dis-moi la vérité. Laisse tomber. Les États-Unis ne sont pas propices pour se faire autant d'argent. Vraiment? Ouais. Tu connais mon boulot. Mais quoi? Tu connais mon boulot. Dis-moi tout. Mon attaquant, tu travailles avec Bill Gates? Fred, quel Bill Gates? Ce n'est rien de spécial. Regarde ton salon. On dirait que je suis aux États-Unis. C'est comme je te l'ai dit, ce n'est rien. Ce n'est rien de spécial. Yinka, dis-moi toute la vérité. S'il te plaît, regarde. Tu vas nous faire tuer. Quoi? Reste dans le rang. Ouais, passez la musique. Donc, la façon dont ça s'est passé la dernière fois, quand nous étions sûrs d'être arrivés là-bas, nous ne prendrons plus de bière. Et donc je... Hola. Ouais. Tu vas finir par tous nous faire tuer. Arrêtez ça. Range-toi. Hein? Ouais. Bébé à boulet, ma. Passe-moi cette bouteille! Allez, dépêche! N'essaie même pas de prendre une gorgée de cette! Tu n'aimes pas? Non! Putain! Cette bouteille doit maintenant avoir le cœur brisé! Le cœur vraiment brisé! Le cœur en morceaux! Le cœur en morceaux! Musique!
Bébé, est-ce que le petit déjeuner est prêt? De combien de bouteilles de whisky as-tu besoin? Oh, viens là. Ne me touche pas, tu pues l'alcool. Tu n'as pas pris de bain, n'est-ce pas? Non, pas encore, mais je me suis rafraîchi. S'il te plaît. Ne me touche pas. Je suis sûre que ton ami aussi n'a pas pris de bain. Donc, s'il te plaît, ne me touche pas. Jusqu'à ce que tu prennes ton bain, monsieur Rick. Ok, c'est ta bouche, hein, et tu as le droit de dire tout ce que tu veux avec Madame Rick. Madame Rick, Rickat, Rickett, Rick. Elle dit Rick. Non, celui-là c'est le mien. Tu veux aussi ton nom écrit sur le pain? Je vais piquer ta main, enlève-la de ce pain. Tu peux prendre n'importe quel de ceux-là, celui-ci est enroulé de Madame, ce repas est délicieux. Merci beaucoup. Alors Fred, comment se passe ton boulot là-bas? En fait, mon pote, j'ai été renvoyé. Allez, sois sérieux, tu veux? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je rigole pas. Mon permis de conduire n'a pas pu être renouvelé. Alors, ils m'ont fait partir. Waouh. C'est vraiment triste. Alors, tu vas poursuivre? Quoi? Ah ça, non. Je n'y retourne pas. Je suis là pour rester. Ouais, recommencer à zéro.
tu vois, et ma femme me rejoindra tôt ou tard. Ça, c'est un déplacement courageux. Merci. Bien sûr que ça l'est. C'est très difficile, tu sais, de tout reprendre dans un nouvel environnement. C'est très courageux. J'essaie juste de faire comme toi. Arrête ça. Navré pour ça. Pourquoi ? Oh, tu m'as servi un repas brûlé. Il rigole juste. Son repas n'est pas brûlé. C'est un malade. Je sais qu'il essaie de me faire marcher. Je pourrais pas. Alors, qu'est-ce que tu prévois de faire ? Trouver un emploi. Un meilleur job. Bien payé, tu vois. Nourrir ma famille, payer les factures. Et par la suite, je continuerai à écrire. C'est super. Tu sais, tu pourrais m'envoyer ton CV par mail. Tu vois, une opportunité quoi pourrait se présenter. Un mail ? Mec, je vais plutôt t'apporter une enveloppe remplie de mon CV. Tu vas le distribuer comme un commerçant. Un mail. À qui ? Ok. Alors, où comptes-tu rester ? Chez mes parents. En attendant d'avoir un boulot et de pouvoir payer le loyer. Mais pour le moment, avec eux. Pourquoi ? Mais tu ne seras pas à l'aise dans votre vieille maison familiale. Oh. Tu as besoin d'un lieu plus confortable pour habiter. Un mendiant a peu d'options, mec. Ouais. Je vois. Je ferai ce que j'ai à faire. Pourquoi ne viens-tu pas rester avec nous ? Eh bien, si seulement t'es d'accord, mon amour. Oh non, Yenka, écoute. Yenka, t'es un père de famille. C'est pas possible. Oh, et toi également. On se connaît depuis des années. Ok, en plus, cette maison est assez grande pour nous tous. Eh bien, merci pour ta générosité, mec. Mais c'est pas une bonne idée. Excepté si ta femme est d'accord. Alors mais, je viendrai. Bébé. Sois le bienvenu. Ouais. On se retrouve. Merci, mec. Ah, de rien, de rien. Oh, mec. Excusez-moi. Je me rappelle de la façon dont on buvait à l'hypo. Tu t'en souviens ? Moi, je me rappelle. Tu m'as beaucoup manqué, mec. Hey, mec. Mais elle est bonne, ta femme. Elle est super bonne. Reste assis. Tu vas aller l'embrasser. Embrasse-la aussi pour moi. Merci, mec. Cette attitude de super-héros que tu as affichée en bas. Bébé, c'est mon ami. Et je m'en fiche. Hé, essaye de te calmer. Me calmer, tu dis ? Tu ramènes un homme dans ma maison sans même me dire. Et maintenant, tu me demandes de me calmer ? J'ai des enfants. Et j'ai une fille. Non. Bébé, je croyais que je t'avais demandé ton avis tout à l'heure au salon et tu as approuvé. Et alors ? Hein ? Tu t'attendais à ce que je réagisse ainsi devant ton ami de très longue date ? Non. Écoute, bébé. Ne me touche pas. Mon amour, écoute. Bébé, c'est mon ami. Ok ? Et on se connaît depuis longtemps. Et j'essaye juste de jouer mon rôle d'ami. La prochaine fois que tu prendras une décision aussi importante sans d'abord m'en parler, tu ne pourras pas t'en tirer. Je te le promets. Oui, madame. Excuse-moi. Mais attends. Tu sors ? Tu ne crois pas que je devrais mettre un gant puisque tu as ramené un homme dans ma maison ?
Bébé, pendant combien de temps encore est-ce que ça va durer? Bébé, je croyais qu'on avait passé l'éponge. Tu m'as bien fait comprendre ton opinion et j'ai pris la peine de noter. Je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas me pardonner. Mais je ne me souviens pas t'avoir entendu demander des excuses. Sincèrement, non. Ok, j'ai compris. Je ne l'ai peut-être pas fait verbalement, mais mes actes disent déjà tout. Donc maintenant, on devrait t'appeler l'homme des actes, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Du plus profond de mon cœur, je suis désolé. Pardonne-moi. Tu es pardonné, mais plus de péché. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut. Salut, sois le bienvenu. Entre, s'il te plaît. Ok, merci. Eh bien, voici ta chambre. S'il te plaît, fais comme chez toi. Merci. Merci encore. Pourrais-je avoir un verre, s'il te plaît? Mon ventre est complètement vide. Nous ne buvons pas de liqueur dans cette maison. Donc, vraiment, nous ne buvons pas d'alcool. En fait, je voulais... Tu sais quoi, depuis ton arrivée dans cette maison, je ne me souviens pas de la dernière fois que mon mari a autant bu. Je comprends. Merci de comprendre. Quand je disais un verre, je parlais de l'eau. Je veux juste un verre d'eau. Un verre d'eau? Bien sûr que tu peux avoir de l'eau. Il y a de l'eau dans le frigo et les verres sont là. Excuse-moi. Merci. Dans notre maison, on ne boit pas d'alcool. T'aurais dû rencontrer ton mari quelques années. Un instant. Oh. Salut. Le repas est prêt. Merci, madame. Merci pour le repas. Mon ventre est...
T'es prête? Oui. Sorti. Ah, merde. Je gagne le prochain. Ok, commençons. En voilà. Sorti. Jackpot. Quoi? Échec et mat. Je t'ai laissé gagner, ok? Comment? C'est ton ego qui parle en ce moment. Non, bébé. Comment? Je t'ai laissé gagner. Comment? Bien sûr que c'est... Non, tu ne l'as pas fait. Ok, dis-moi à quoi on remonte la dernière victoire. La partie précédente, celle-ci. Non, 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 je ne parle pas d'aujourd'hui. Toi, tu ne cherches que des excuses. Non, je ne cherche pas d'excuses. Ok, je te défie pour une autre partie. Une autre partie? Oui. Ok, ramasse la balle. Allons-y. Ok. Tu es prêt? Perdant? T'es prête? Vas-y. Hein? Mm-hmm. Sorti. Jouer. Sorti. T'es sûr que c'est sorti? Bien sûr. La balle. C'est ton service. Service? Uh-huh. Vraiment? Ouais! Continuons! À toi de servir! Dis de ça maintenant? Écoute. Quoi? Je pense que tu t'en sors plutôt bien, ok? En effet. Je vais baisser mon niveau pour toi la prochaine fois, d'accord? Tu vas rabaisser le niveau oh, oui. pour moi la prochaine fois? Oui, chérie. Ok, tu sais quoi? Quoi? Je te défie pour une autre partie. Non, 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 je n'en ai pas envie. Pourquoi? Je ne joue plus. Tu as peur? Peur de quoi? De moi? Non, non, mais tu te prends pour qui? Pour Serena Williams? Oui. Hein? Pour Serena Williams? Oui. Hein? Pour Serena? Pour qui? Pour qui que je te prends? Je suis la meilleure. Tu es Serena? Oui. Hein? Eh bien, tu es Serena? Oui. Hmm? Tu es Serena? Oui. Oui. Je t'ai laissé gagner. Non, c'est faux. Tu comprends, hein? Si. On va où? De ce côté? Ouais. Ok, je suis épuisée. Bébé? Oui? Concernant ton ami, es-tu sûr qu'il cherche du travail? Parce qu'il passe toute la journée enfermé dans sa chambre. Eh bien, il écrit des histoires. Je ne comprends pas. En fait, il est écrivain à temps partiel. Mais il essaie également de déposer son CV dans certaines entreprises de publicité. Je pense qu'il ne fait pas d'efforts dans sa recherche d'emploi. Parce qu'il devrait être dehors en journée. T'inquiète, il s'y est déjà mis. Comment? Eh bien, il a quelques entretiens d'embauche dans les deux prochaines semaines. Oh, vraiment? Ouais. Ah. Oh mon Dieu, je meurs de soif.
Bébé, s'il te plaît, ramène-moi en montant dans la chambre. Ok. Merci. De rien, je reviens tout de suite. Ok. Oui. Oh. C'est la bienvenue. Merci. Je constate que tu as fait le ménage. La vaisselle, la lessive et aussi tout le salon. Tu n'as vraiment pas besoin de le faire. Oh. Je pensais que tu allais me faire un chèque pour un service bien fait. Et t'inquiète pas, c'est mon boulot de nettoyer après les gens. Je nettoyais toujours après Yenka quand il partait à l'école. Demande-lui. Je vois. Tu sais, je peux m'occuper des tâches de ma maison toute seule. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris de ménagère. D'accord, mais à une condition. Du moment où je ne trouve pas la vaisselle sale, sinon je nettoyerai. D'accord, et mon aide n'est pas gratuite. J'essaierai de ne pas te donner de travail. D'accord, marché conclu. Cool, d'accord. Alors, puis-je t'apporter mon aide? Je ne pourrais pas te payer, mais merci. Allez, aujourd'hui je travaille bénévolement. Qu'est-ce que tu dis si je commence par ça? Tu le fais très bien. Eh ben, j'ai une expérience de plus de 20 ans. Et je cuisine toujours. Ma femme et moi préparons ensemble tout le temps. Ça rend le travail facile et rapide, et rigolo. Vraiment? Ouais. Quand ton chéri et moi étions étudiants, c'est moi qui faisais la cuisine. Il ne te l'a pas dit? Il ne le fera toujours pas, même pour sauver sa vie. Nous sommes tous uniques à chacun sa façon, ok? Donc arrête de parler de mon ami. Impressionnant. Merci. Toutefois, je peux faire la cuisine. Toute seule, merci. Oh, non, non, non. J'insiste. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Tu sais, je ferai la cuisine ici, un de ces quatre, pour vous. Pas pendant que je suis là. Alors je t'enfermerai dans la chambre jusqu'à ce que je finisse, qu'en dis-tu? Tu as très bon cœur. C'est très gentil. Non, je n'ai même pas encore commencé. Hein. Je vois maintenant pourquoi il est si fou de toi. Pourquoi? Tu as quelque chose de spécial. Quelque chose de magnifique. Quelque chose qui ferait que les mecs aimeraient être proches de toi. Comment? Ouais, qui pousse à vouloir passer la nuit chez toi quand tes yeux disent que tu n'es pas le bienvenu. Tu es terrible. Eh bien, c'est suffisant? Oui. Puis-je t'aider à faire autre chose ou alors? Non, non, c'est bon. T'es sûr? D'accord. Dans ce cas, je serai dans ma chambre, je redige un roman. Au fait, concernant tes romans, tu as dit que je pourrais venir les lire de temps en temps. Je pourrais peut-être passer plus tard. Ok. Mais sache que je demande des frais pour lire. Je paierai. Marché conclu. Marché conclu. Tu vas apprécier. D'accord. Oui, oui.
On dirait que tu es là depuis un moment. Ouais, j'ai commencé avec ton mari. Il n'a pas pu supporter, pas vrai? Allez, c'était pas une compétition, d'accord? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais faire quelques abdos. Si tu peux m'aider, ce sera avec plaisir. J'ai juste une question, vais-je payer? Eh bien, tout doit être payé. Ok, d'accord. Viens, je vais t'aider. Dis-moi quoi faire ou comment faire. Tu n'as qu'à tenir mes jambes pendant que je travaille. Ok. Où dois-je tenir? Non, plus bas. Ok. De cette façon? Oui. D'accord. Allons-y. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Pas mal. Sept. Huit. Neuf. Et 10, je suis impressionné. Waouh, pas mal du tout. Cool. Qu'est-ce que tu dis de faire des pompes? Attends, je vais te montrer. Attends. Allonge-toi. Ok, c'est okay. Bien. Tu vas suivre mes gestes, d'accord? Oui. Écarte mes bras. 3. Oui, parfait. Soulève le torse. Ok. Tu y es. Suis mes mouvements, d'accord? Ok. Tu es prête? Mm-hmm. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que tu fais? C'est difficile. C'est mieux que je t'observe. Vraiment? Mm-hmm. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cool. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Bien, pourquoi ne pas faire quelque chose de simple, comme du yoga? Oh, super. Bien, tire tes jambes. Mm-hmm. Et tu étends tes bras. Ok. Ok, maintenant mm-hmm. méditons. Ok. Tu es prête? Mm-hmm. On va compter jusqu'à 50. Ok. D'accord? Je médite. Allons-y. Ok. Prête? Mm-hmm. C'est parti. T'es une tricheuse. En fait... Oh mon Dieu. Bien. Et maintenant? Bon boulot. Bon boulot. Bah voyons, je me porte volontaire aujourd'hui, ok? Et si je commence avec ça? C'est de la folie. C'est de la folie. Ok. Oui, entrez. Salut. Wow. Je suppose que tu n'es pas très occupé. Non, non, je veux dire, je ne le suis pas, c'est bon. Eh bien, je suis là, pour lire tes romans, comme promis.
Ouais. Bien sûr. Il y a ce dernier que je suis en train de rédiger. C'est très intéressant. Il n'est pas encore fini. C'est celui que je devrais lire. Pourquoi ne pas lire ceux qui sont déjà finis? Parce que je pense que celui-ci sera plus intéressant. Ça fait un plaisir. Ok. Un instant. Ok, tu peux commencer. Bien, moi je vais descendre. Tu ne vas pas me laisser ici toute seule, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Donc je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir et t'accompagner dans la lecture. C'est bien plus confortable, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est ça. C'est ici que ça commence. Ok. Bonjour, Fumi. Salut, grand frère Inka. Comment tu vas? Comment vont les études? Je vais bien, merci. Comment va Tata Tosin? Ok, Tosin va bien. Elle va bien. Ok, je voulais juste te dire que j'aurai un congé d'intersemestre pendant 2 semaines. Puis-je passer les congés chez toi? Oh, ok. Ce n'est pas un souci, t'es la bienvenue. D'accord, merci. Salut Tata Tosin par moi. Ok, prends soin de toi. Ce roman parle de nous. Il parle de toi, de mon mari et moi, et de tout ce qui s'est passé dans cette maison. Ce n'est que de la fiction. C'est que de la fiction, c'est tout. Non. Non, c'est faux. C'est la réalité. C'est ce qui se passe ici, et je voudrais comprendre comment est-ce que c'est possible. Tout personnage présent dans ce roman est fictif. Et toute ressemblance avec quelqu'un ou un événement vivant ou mort est une pure coïncidence. Rien de tout ce que je vois là n'est qu'une coïncidence. Tout ceci s'est déjà produit. Et d'après ce que je vois, il y a encore beaucoup à venir. Ok, as-tu déjà entendu une œuvre reflétant la vie réelle? Dis-moi ce que c'est. Dis-moi comment c'est possible que tu sois au courant des discussions que j'ai avec mon mari dans notre chambre et même avant que tu n'arrives. Oh, attends, est-ce qu'on nous entend dans notre chambre? Voyons, mais non. C'est juste dans ma tête, c'est tout. Non, sérieux? Oui, tout se passe dans ma tête. Ok, mais qu'en est-il de la scène du terrain de tennis? Qu'en est-il de notre séance de sport d'il y a quelque temps? Dis-moi comment est-ce que c'est possible? L'histoire raconte que j'ai développé des sentiments pour toi. Est-ce vrai? Pardon? As-tu des sentiments? Laisse tomber. Ça parle également de mon arrivée dans cette chambre, de cette façon. Fred, qui es-tu? Est-ce que tu te fous de moi? Hé, calme-toi, ok? Calme-toi. Je vais tout te dire. Mais pas pour le moment. Mais j'ai besoin de savoir maintenant. Je veux comprendre comment c'est même possible. C'est juste le pouvoir de la narration. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Ok, dis-moi ce qui va suivre. Je ne peux pas te répondre. Laissons juste l'histoire suivre son cours et prendre forme. On verra comment les choses se passent, ok?
Ce n'est rien. Je pense qu'on a assez lu aujourd'hui. Il est temps que tu partes, Tosin. Eh, hey, bienvenue, mec. Merci. Comment tu vas? Ah, ça va. Quoi de neuf? Ça va. Ah. Tu m'as l'air épuisé. Ouais. C'était la journée la plus dure que j'ai jamais eue. Ça va aller, mec. Ouais, ouais, ça ira. Salut, chéri. Salut. Comment ça va, bébé? Je vais bien, d'accord. Tu m'as l'air fatigué. Ah. Je peux le voir dans tes yeux. Tu as dû avoir une dure journée. Oui, je n'en ai jamais eu d'aussi stressante de toute ma vie. J'ai juste besoin de prendre un bon bain et d'aller me coucher là, maintenant. Ok, va là-haut. Et je t'apporte quelque chose à manger, ok? Bébé, s'il te plaît, apporte-moi ça là-haut. Parce que je ne suis pas sûre de redescendre une fois là-haut. Ok, d'accord. Ok. Merci. Oui, bébé, avant que je n'oublie, ma petite sœur a appelé. Ok. Et elle m'a dit qu'elle prévoyait de venir passer les vacances ici une fois que le semestre sera terminé. Ok. Ok. Ok, merci, mon amour. Mec. Ouais. J'ai parlé à un très bon ami. C'est un producteur de films. Topi Alaki. Quoi? Ce nom me dit quelque chose. Oh, vraiment? Ouais. Ah. Il a produit pas mal de films. Ouais, exactement. Plusieurs films à succès. Oui. Je lui ai dit que tu es un très bon écrivain et il aimerait lire tes scripts. Waouh. Eh ben, c'est super, mec. Mais en ce moment, il voyage pour Londres pour un festival de films et puis pour les États-Unis pour un séminaire. Par conséquent, vous ne pourrez vous voir que lorsqu'il sera de retour. Est-ce que tu sais combien de temps il va y mettre? Il ne m'a pas dit. Mais il le fera. Je suis impatient de le rencontrer. Oh mec. Laisse-moi d'abord aller prendre mon bain. Et me reposer un peu. D'accord? Mon attaquant. Ouais. Merci pour tout, mec. De rien, mec. De rien, de rien. Salut bébé, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Ouais, j'ai reçu un mail à ce sujet. Alors, comment se porte New York ce soir? Oh, vraiment? Eh bien, Yinka a parlé de moi, un producteur de films. Je devrais le rencontrer bientôt. Oui. Ok, ok, sans souci. Je te rappelle plus tard alors. D'accord, ce matin. C'est d'accord, je t'aime. Je suppose que c'était ta femme. Je me suis pas rendu compte que tu étais là.
Comment le pourrais-tu, alors que tu étais aux anges? Tu devrais être couché à cette heure. Il est 23h45. Je n'arrivais pas à dormir. Et ton mari alors, il va pas te chercher? Il dort déjà. C'est une belle nuit, pas vrai? Oui. Mais pas aussi belle que toi. Je... Quoi? J'étais sur le point de dire quelque chose. Ça, c'est pas bien, ok? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ça ne devrait pas arriver. Calme-toi et respire. On ne doit pas faire ça. Écoute, je n'ai pas ressenti ce genre de sentiment pour un homme depuis que je me suis mariée. Qu'est-ce que tu m'as fait, Fred? Je ne sais pas de quoi tu parles. Cette mystérieuse scène que tu as écrite, je veux savoir, est-ce qu'elle a un lien avec tout ça? Je vais dire... Elle n'a rien à voir avec ça. Toi, tu as voulu ça. Je suis désolée. Que ce soit ainsi. Parce que ceci va se produire. Je veux que tu me fasses l'amour. Salut, grosse dormeuse. Salut, quelle heure est-il? 7h15. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillée? Eh bien, j'ai essayé, mais tu n'as pas voulu te réveiller. Ça faisait une éternité que je ne t'avais pas vu dormir comme ça. Tu as certainement dû avoir une très belle nuit, hein? J'ai très, très bien dormi. Je vois. Mais tu aurais dû insister. Eh bien, je l'ai fait. Ok. Laisse-moi me dépêcher de te faire quelque chose à manger. Non. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. En plus, je vais prendre des croissants et un café au bureau. Okay? Tu en es sûr? Oui, bon cœur, j'en suis sûr. Passe donc une bonne journée. Allez, approche. Au revoir, chérie. Bye bye. Salut, toi. Salut, bonjour. Bonjour. Alors, combien est-ce que je te dois maintenant? Eh bien, un peu plus d'un million de naira. Et fais attention, je voudrais pas mettre du savon sur ta nuisette. Je m'en fous. Alors, comment était ta nuit? Elle était superbe. Tu as été parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et toi, tu étais très démente. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Et si c'était toi, mon petit déjeuner? Dis-moi juste où, comment et quand? Oh, à l'endroit de ton choix, ma belle, ça te dirait ici. Hein? Ça me convient parfaitement. Vraiment? Ici, là? Tu vas voir qui est à la porte.
Salut, Fumi. Bonjour. Bienvenue, s'il te plaît, entre. Merci. Entre. Comment tu vas, Fumi? Je vais bien. Ton frère ne m'a pas dit que tu venais aujourd'hui. Ah, oh, il ne le sait pas. L'administration de l'école nous a demandé de quitter la cité quand les examens seront terminés. Tu es sérieuse? Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, on va t'installer dans la chambre d'en haut. Ah, c'est d'accord. Laisse-moi t'aider. Merci. Alors raconte, comment ça se passe à l'école? Tu t'en sors bien? Oui. Que des A. Tu en es sûre? Oui. Ou il y a des garçons qui... As-tu parlé à maman depuis? Oui, elle va bien et les enfants s'amusent vraiment. Ah, ils le doivent. Ah, je sais bien. Ah, Fumi, je te présente Fred, un ami de... Ta tête aussi, mais je connais très bien ton frère. Désolée. Hey, wow, ça va? Ça fait très longtemps. Ça fait plaisir de te ça voir. Ça fait également plaisir. Fumi, qu'est-ce que tu as grandi? Et toi alors? Ah, ah, ça se voit que tout va bien. Eh bien, je ne me plains pas. Dis, tu es de retour au Nigeria ou c'est juste pour une visite? Non, je suis revenu pour de bon. Wow, intéressant. On en reparle plus tard. D'accord, sans souci. Allons-y. Ok, merci. Pour la porte, s'il te plaît. Merci. De rien. Ah, elle est aussi spacieuse que l'autre. Merci. Alors, quand tu auras fini, rejoins-moi donc à la cuisine, je fais à manger. D'accord. Même comme je suis sous régime keto en ce moment. Vraiment? Mm-hmm. Mais tu n'es pas mal. Oui, je sais que je ne suis pas grasse, mais je veux juste maintenir ma... Tu vois, ma ligne. Ok, dans ce cas, il y a des fruits pour toi dans le frigo. Ok. À plus tard. Merci. Ok. Alors, ta tête aussi. Quand est-ce que les enfants rentrent? Eh bien, ils en ont encore pour près d'un mois avant la rentrée, pour profiter de leur grand-mère. Je leur ai parlé la nuit dernière quand j'ai appelé maman. Vraiment? Et? Ils s'amusent vraiment très bien là-bas. C'est bien pour eux. Et un vrai soulagement pour moi. Tu faisais certainement pareil quand tu avais leur âge. C'est totalement faux. Ils sont comme ton frère, tel père, tel fils. S'il te plaît, laisse les enfants. Dis-moi plutôt qui est ce gars que j'ai vu dans ton statut. Ah, ah, ta tête aussi. Tu l'as mis en statut pour 24 heures. C'est juste un camarade de classe. Il n'y a rien, avec ce genre de photos. Ah bah, ah, ah. Dis-moi, je ne dirai rien à ton frère. Tu sais, comme moi je fréquentais. Nous étions sexy et donc tous les garçons. Ça se bien voit. Bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Dis-moi ce qui s'est passé. Ah ah, grand frère, bienvenue. Fumi, comment tu vas? Je vais bien, désolé. Merci. T'es arrivé quand? Cet après-midi. Et tu as fini avec tes examens? Oui. Ok, c'est super, t'es la bienvenue. Merci. Oui, ma femme? Je suis là, mon chéri. Oh. Bienvenue, mon chéri. Salut, ma chérie. Salut, chérie. Je veux un gros câlin. Ok, je monte. Allons-y. Oh putain, arrête ça.
Oh oui. Oh. Tata oh, oui. Fumi. Ah. Grand frère, que... tu m'as fait peur, mon Dieu. Tu étais encore debout? Oui. Ah. Je cherche ma femme et je ne la trouve nulle part. As-tu regardé dans la cuisine? Non. Ok, et dans la chambre à coucher? Non. Oh, en fait, on était ensemble il y a à peine 5 minutes. Mm-hmm. Toutes les deux, on n'arrivait pas à dormir. Mm-hmm. Mais elle est partie à la cuisine parce qu'elle voulait prendre... Elle voulait prendre une pomme, oui. Donc, elle doit être à la cuisine. Je pense qu'elle y est. Mmh. Regarde à la cuisine. Mmh. Ok, je vais voir dans la cuisine. Ah. Ah. Non. Vient-elle de... Oh. Bébé, il paraît que tu me cherches. Je me suis levée pour uriner et tu n'étais nulle part. Oui, je n'arrivais pas à dormir donc. Et tu ne pouvais pas simplement me le dire? Dois-je tout te dire? Bébé, l'insomnie n'est pas une maladie que tu devrais négliger. On peut la traiter ou la surveiller. Tu aurais vraiment dû me le dire. Je m'excuse. Tu m'as fait une peur bleue. Ok, maintenant que tu sais, j'espère que tu ne t'endormiras pas sur moi. Parce que si j'ai des insomnies, tu les auras aussi. Je crois bien que je me suis foutue dans la merde. Eh oui. Allez, retournons nous mettre au lit. D'accord, bébé. On trouvera bien une solution. Tu me manquais déjà énormément. Je sais. Je me demandais où t'étais passée. Ma magnifique tarte. T'es sûre que je suis une magnifique tarte? Oui, tu l'es. La prochaine fois, préviens ta magnifique tarte quand tu décides de quitter le lit. Tu es somnambule, je vois. Oh, c'est juste que... Tu m'as manqué. Je t'ai cherché dans ton lit. Toi aussi, tu m'as manqué. Bonjour, Tata Tocine. Bonjour. Concernant la nuit dernière, Tata Tocine, comment as-tu pu? En fait, tu ne trompes pas seulement mon frère, mais tu as le cran de le faire sous son nez. Tu ne pourras pas comprendre. Et je ne veux pas comprendre. Je ne savais pas que tu étais aussi répugnante. Tu dois savoir. Je sais que tu dois être déçue. Tu viens de dire déçue? La déception n'est rien à côté de ce que je ressens. Je sais. Et je ne suis pas aussi contente de moi. C'est juste que il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ce qui se passe. Qui est? C'est que
Je n'ai pas vraiment de réelle explication pour ça. De toutes les façons, tu vas devoir trouver comment le dire à mon frère. Sinon, je le ferai. Tu ne peux pas faire ça. Mets-moi à l'épreuve. Fumi. Fumi. Qu'y a-t-il ? Nous sommes foutus. Je suis foutue. Comment ? C'est Fumi. Elle menace de tout raconter si je ne dis pas. Si je ne dis pas tout à Yinka. Je comprends pas. Je pensais qu'elle t'avait couvert. Je ne sais pas. Comment vais-je le dire à Yinka ? Comment vais-je dire tout ceci à Yinka ? Hé, hé, hé. Calme-toi. Laisse-moi aller lui parler, d'accord ? Et si elle ne t'écoute pas ? Et si elle refuse quand même ? Laisse-moi d'abord essayer de lui parler. C'est ouvert. Salut. Salut. Je voudrais qu'on parle de la nuit dernière. Tout est de ma faute. Tosin n'y est pour rien, ok ? Vraiment ? Et en quoi est-ce que cette confession change ta trahison ? Écoute, elle n'a pas à payer pour mes erreurs. Raison de plus pour qu'elle raconte à mon frère comment tu l'as séduit. Et quel traître son meilleur ami est devenu. Écoute, on a décidé de mettre un terme à ça, ok ? Il faut que tu nous crois. Ça ne se reproduira plus et Yinka n'a pas besoin d'être au courant de ça. Oh, vraiment ? Eh bien, si tu crois, une seule seconde, que je vais avaler tout ce que tu racontes, alors tu te fous le doigt dans l'œil. Je croyais que tu étais plus intelligente que tu en as l'air. Et pour rien au monde, je te prendrais pour une idiote. Tu sais quoi ? Tu vas dire à ta maîtresse qu'elle n'a 72 heures pour tout raconter à mon frère. Sinon, nous avons fini. Excuse-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je suis désolé. Que veux-tu dire par « je suis désolé » ? J'ai pas pu la faire changer d'avis. Elle t'a donné 72 heures pour le dire, sinon elle le fera. Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant ? Je m'occupe de ça. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, Fumi, pense aux enfants. Je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît. Si tu aimais tellement les enfants, tu aurais pensé à eux avant de coucher avec le meilleur ami de ton mari. Fumi, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît, Fumi, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom de Dieu, s'il te plaît. Tata Tosin, tu l'as trompé. Tu as brisé sa confiance, l'amour que nous avions tous pour toi. Je sais. Je sais. Tu sais quoi ? Ton temps est passé, ok ? Et maintenant, c'est terminé. À l'instant où mon frère rentre, je vais tout lui dire. Et bonne chance à vous pour la suite. Tu ne le feras pas. Tu m'as entendu ? Et qui va m'en empêcher ? Toi ?
ou toi? Ton frère n'apprendra pas ce secret parce que tu ne vas rien lui dire. Ok, c'est ça. J'ai dit rien. Ah non, non, arrête! Non, non, arrête! Non, Fred, arrête! Toi! Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, bien sûr! Tu vois? Fumi? Tu l'as tué. Je ne l'ai pas tué. Elle est tombée, c'était un accident. Elle est tombée. Je ne suis pas coupable de ça. Je ne suis pas coupable de ça. Oh. Écoute, calme-toi, calme-toi. Peut-être c'est arrivé pour notre bien. Mais je ne t'ai jamais demandé de la tuer. Tu ne l'as pas fait, fais ton choix alors. Tu préfères être rejeté pour toujours, hein? Détesté par tes enfants. Stigmatisé pour infidélité et ta vie sera une spirale descendante. Regarde-moi, regarde-moi. Je crois qu'on va l'enterrer avec ce secret. Oui, on l'enterre. Pardon? On l'enterre et puis... Tout ira bien. Comment ça pourrait bien aller? J'ai une conscience qui va me torturer, même si je suis libre. Mais tu oublieras avec le temps, ok? Maintenant, on doit se concentrer. Va chercher les clés, j'ai un plan. Va prendre les clés! Ok. Aide-moi à la mettre dedans. Oui, oui, je les ai. Thank you.
Bibi, qu'y a-t-il? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas très bien. Depuis quand? Depuis ce soir. Pourquoi n'as-tu pas demandé à Fred de te conduire à l'hôpital? Ça a juste... Ça a commencé ce soir. Ok. Laisse-moi donc te conduire à l'hôpital. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà pris des médicaments. Si ça ne te dérange pas, Fred va me conduire à l'hôpital demain matin. Non, je ne vais pas prendre ce risque, ok? Je ne vais pas mourir. Ça va aller, je vais guérir. T'en es sûr? Oui. Mais est-ce que t'as mangé quelque chose avant de boire les remèdes? Oui, j'ai pu faire la cuisine avant que ça ne commence. Désolé, d'accord? Merci. Tout ira bien. Merci. Désolé. Fumi? Fumi? Est-ce que t'es là? Chérie? Oui, oui, chérie. Est-ce que tu as vu Fumi dans les alentours? Non, elle n'est pas dans sa chambre. Non, elle n'y est pas. Je l'ai cherchée dans toute la maison, mais elle est introuvable dans toute la maison. Est-ce que tu as essayé de l'appeler? Son téléphone ne passe pas et elle est injoignable. Tu as besoin d'elle pour quelque chose? Non, pas vraiment. Seulement, elle m'a dit cet après-midi qu'elle avait quelque chose de vraiment très important à me dire. Alors je... Donne-moi un instant, chérie. Ok. Viens. Quoi? Fred! Hey, tu devrais pas être là, ton mari peut... Il y a un problème. Regarde ça, quoi? Regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Je viens juste de recevoir ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Si elle nous fait une blague, ou si quelqu'un nous fait une blague, ou peut-être qu'elle n'est pas morte. Quoi? Hé, sors, vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais, c'est étrange, ça ne ressemble vraiment pas à Fumi. Elle donne souvent et tout le temps des nouvelles d'elle chaque fois qu'elle décide de sortir. Mais présentement, je suis vraiment confus. Hein? Je m'inquiète. Pourquoi ne pas appeler la police? Ils peuvent peut-être nous aider. Oui. Oh, oui, oui, c'est une bonne idée. Mais je pensais qu'il fallait attendre 24 heures avant de signaler une disparition. Écoute, j'irai les voir et peu importe, ok? Je vais y aller, mais s'il te plaît, Fred, prends soin d'elle pendant mon absence, ok? Et bébé, je te conduirai à l'hôpital moi-même quand je serai de retour, ok? D'accord, donc, Fred, je reviens, d'accord? Bonne chance. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. C'est pas vrai.
Allô? Où est-ce que t'es? Tu dis quoi? Pardon? Est-ce que t'es sûr de ce que tu me dis? T'en es sûr? Ok. La nuit dernière, je suis allé là où on a jeté le corps. Et? Il n'y était pas. Quoi? Je sais pas, mais j'ai rien trouvé. Mais tu l'as bien tué. J'étais là. Non, je l'ai pas tué. Ok, elle est morte. As-tu fouillé les alentours? Elle n'y était pas. Tu en es sûr? Toi, tu m'as menti, sale fils de pute! T'as osé me mentir! Bébé, s'il te plaît, tais-toi, arrête! Tais-toi, ferme-la! S'il te plaît, bébé! Toi, espèce de menteur, sale rat! Je t'ai hébergé, et c'est comme ça que tu me remercies, hein? En m'enfonçant un poignard dans le dos! Bébé, je t'en prie! Toi, la ferme! Ferme-la! Désolée, je suis désolée! Ferme-la! T'es une menteuse, tu m'as trompée! Et au-dessus de tout, je te faisais confiance! Je peux t'expliquer! Expliquer quoi? Non, bébé, c'est comme je ça t'en que prie! Tu me remercies. Oh mon Eka. Dieu! Bébé, s'il te plaît! Eka, je suis désolé, mon pote! La ferme! La ferme! Toi debout! Viens ici! Non, bébé! Allez, cours, toi! S'il te plaît! S'il te plaît! Je t'en prie! T'es pas obligé de faire ça! Fermez-la! Fermez-la! T'es pas obligé de faire ça! Fermez-la! Je ferai exactement comme je veux! S'il te plaît, okay? S'il te plaît! Je t'en prie, bébé! Eka, non! Bébé? Oh. Qu'y a-t-il? C'était juste un rêve. Tu m'as fait peur, là. Ça avait l'air tellement réel que... De quoi parlait ce rêve? Je crois que j'ai mon histoire. Le rêve? Oui, le rêve. Je vais commencer à le rédiger maintenant. Fais-moi confiance, tu vas l'adorer quand j'aurai fini. Les écrivains et leurs histoires... Ah ! Fais attention à ce que tu... Sinon, tu risques d'utiliser mes mots. Oh, utilise-les. Et prépare-toi à parler à mon avocat pour mes droits d'auteur, parce que mes mots ne sont pas gratuits. J'ai compris. Allô ? Oui, qui est-ce ? Inka ? Mon attaquant! Mon attaquant! Non, viens chez moi! Tes parents? Laisse-les, mec, tu vas vivre chez moi, allez, viens! Mon attaquant! Je t'envoie l'adresse tout de suite! Mon attaquant! Thank you.